28 dans le deuxième motif. Donc les motifs sont de simples décors, motifs écrevisses, dessinés sur du papier, puis collés sur du plastique et découpés au cutter. Là, celui qui nous intéresse, c'est celui-ci. Donc pour ça, j'utilise du Verfeuille de chez Aquacolor. Un petit peu dessus. On va s'embrouiller un petit peu tout autour et les yeux.
tout petit peu vidéo au film. Un tout petit peu d'épaule, et là c'est du filtre à l'aquarium, c'est la même chose. Je mets légèrement la peinture. Et puis on va essayer de prendre un petit peu de couleur à tout ça.
Ensuite, bien sûr, on va mettre des yeux. Alors, mettre des yeux, c'est mieux. Et voilà, trois petits lavres de frein. Il ne reste plus qu'à les vernir. Une fois vernis, le résultat ressemblera un petit peu à ça. Celui-ci est terminé. Pour ma part, j'utilise du vernis Soloplast en bicomposant RT123. Et petite astuce pour ceux qui utilisent du vernis époxy, si vous ne voulez pas passer 200 pinceaux, vous avez juste à le nettoyer avec la 70, ça enlève l'époxy sans aucun souci. Il suffit de bien le nettoyer avec. Donc voilà, terminé pour cette petite vidéo. Si elle vous plaît, terminez, n'hésitez pas à me le dire. Et si c'est le cas, j'en ferai quelques-unes de plus.